Une tombe de femme vampire a été découverte en Pologne dans un cimetière du XVIIe siècle. Mais ne rêvez pas, Twilight, ça reste de la fiction. Ce n'était pas vraiment une vampire, c'était surtout une autre époque. En fait, du XIe au XVIIe siècle, en Europe de l'Est, il y avait une forte superstition autour de l'existence des vampires. Donc il y avait des rituels d'enterrement censés les empêcher de revenir d'entre les morts. En l'occurrence, la femme a été enterrée avec une faucille autour du cou. Du coup, si elle ressuscitait, ouais, vous voyez quoi. Son orteil était fixé aussi, juste au cas où. À l'époque, dans la région, les gens pouvaient être soupçonnés de vampirisme pour plein de raisons. Le suicide ou bien certaines maladies ou particularités. En l'occurrence, cette femme avait une dent avant un peu plus avancée. Les archéologues pensent que ça explique le soupçon des locaux sur son vampirisme. Tout ça, c'était quand les histoires de vampires étaient du folklore et pas de la pop culture.